Green Atlantic Farm, c'est notre exploitation située en Saskatchewan. C'est une province de l'ouest du Canada. Nous cultivons sur 3000 hectares, spécialement en semi-direct et avec 40% de céréales. Alors, les céréales peuvent inclure du blé dur, du blé de printemps, de l'orge et du blé d'hiver aussi parfois, et 60% d'oléoprotéagineux. Alors, au blé dur, et c'est très variable, ça dépend un peu de ce qui se passe, mais on a été entre 0, 100 hectares l'année dernière et peut-être 1000 hectares cette année, et ça dépend vraiment des indices de marché. Tout le monde a toujours l'air de se dire qu'ailleurs c'est toujours mieux, et bien sûr, on a nos avantages, nos inconvénients. On a quand même peu de problèmes de structure, c'est-à-dire que on arrive assez à s'agrandir. Le prix des terres, généralement, a toujours été un peu plus bas. On a un climat qui nous donne l'avantage d'une qualité. Et puis, une efficacité au niveau du matériel. On arrive à faire de grandes surfaces avec très peu de moyens au niveau matériel et aussi, en général, moins de passages. À cause de la grandeur, on ne peut pas faire beaucoup de passages d'apport d'azote, par exemple, ou de fongicides. Donc c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient si on veut vraiment pousser à la production. Mais de ce côté-là, donc en contrainte, on va avoir 400 mm de pluviométrie sur l'année, comptant la neige, c'est-à-dire un maximum de 200 mm durant la saison de pousse, quoi. On a un rendement entre 2,5 tonnes de l'hectare et on va dire 4,5 tonnes de l'hectare. Donc, un climat assez extrême, on n'a pas une stabilité de nos rendements. On essaie de dérober une culture entre deux neiges. On a la neige au mois de mars et la neige au mois de novembre, et on essaie de dérober cette culture entre les deux. La France, c'est une course d'endurance, mais chez nous, c'est un sprint. Quand on est prêt à y aller, il faut être prêt à y aller. Et on a ce qui nous donne très peu de possibilités de faire ces différentes passées, de pouvoir avoir de l'azote, parce qu'on a pas mal de sommes de température quand on arrive à mai, juin, qui fait que si on est deux jours, on attend deux jours, le stade, il est passé, quoi. On apporte tout notre engrais au semis, et on lui donne pratiquement tout le potentiel à l'avance pour qu'on ne loupe pas un endroit pour faire un apport d'azote plus tard. Il peut arriver qu'il y ait un apport d'azote si, par exemple, les conditions sont vraiment bonnes. On a eu pas mal de pluviométrie au mois de juin, et à ce moment-là, on va essayer de mettre un apport d'azote d'une trentaine d'unités, juste pour avancer un peu plus, maximiser le potentiel. Si il y a 5 ans, on était à $150 de coût de production avec $200 de chiffre d'affaires, aujourd'hui, on est à $300 de coût de production et $400 de chiffre d'affaires. Donc notre marge, elle a augmenté. Mais on est de plus en plus, ces coûts de production ont augmenté aussi.